Good morgen, allez-y, donnez les sous aujourd'hui le Nishma Todov, Ben Yudit, Eviatar, Amram, Ben Chedva, Chaya Esther, Bat Myriam, Mitzrak Peretz, Ben Fortuna. Si vous souhaitez vous étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui Masachet Shabbat Perik Yud, Mishnah Bet, Hamotzi Ochalin, Unetanan Ala Iskupa, Ben Shechazar Vehotzian, Ben Shotzian Acher, Batur, Mipene Shelo Asa Melachto, Bevatachat. Kupa Shemela Perot, Unetanan Ala Iskupa. Achitzona, Afalpi, Sherov, Aperot, Mibachutz, Patour, Adjiotzi, et Kolakupa. On commence depuis maintenant ce Perek, Yud, à découvrir concrètement dans quelles circonstances on transgresse l'interdit de Hotsa, avec quelques règles, en l'occurrence dans notre Mishnah. On va s'intéresser d'abord au fait de passer directement du Reshut Hayachid au Reshut Rabim. J'explique tout de suite. Il y a l'interdit de Shabbat, on va le découvrir plus longuement dans les prochaines Mishnayot. L'interdit de Shabbat, de transporter à Shabbat, il se présente sous deux formes. Quand je fais passer du Reshut Hayachid au Reshut Arabim, ou inversement du Reshut Arabim au Reshut Hayachid, c'est-à-dire le domaine privé au domaine public, ou le domaine public au domaine privé, ou encore, il y a une deuxième forme, c'est transporter sur une distance de 4 amot, de 2 mètres, dans le Reshut Arabim, sur la voie publique. À entendre voie publique ou domaine privé, alors là, pour les Ilkhot Shabbat, c'est très différent, c'est pas une question de propriétaire du lieu, mais c'est une question de forme du lieu. Est-ce que c'est un lieu qui est complètement ouvert, indéfini, illimité, qui n'est pas limité, d'accord, qui n'est pas enfermé par des murailles, ou bien est-ce que c'est un poteau? On avait déjà évoqué dans la première Mishnah de Masechet Shabbat, qu'un poteau, par exemple, qui a une distance de 4 amas sur 4 amas, prenez un carré comme ça, qui a une hauteur de 10 tefachim, c'est l'équivalent, si je traduis ça, prenez un tefach plus ou moins 10 cm, 40 cm sur 40 cm, sur une hauteur de 1 mètre, en pleine voie publique, vous avez ici un super Reshut Arabim, Reshut Hayachid, d'accord? J'avais déjà une fois, je m'étais déjà, je suppose, bon, on rencontre fréquemment toutes sortes de situations qu'on a dans le Reshut Arabim, où en fait, imaginez, vous trouvez un livre kadosh en pleine voie publique, vous voulez par terre, vous ne voulez pas le transporter, c'est Shabbat bien évidemment, vous allez le ramasser pour le poser quelque part. C'est possible que là où vous allez le poser, ça va devenir, c'est un Reshut Hayachid, vous avez transgressé l'interdit de porter à Shabbat. D'accord? Concrètement maintenant pour notre Mishnah, alors je traduis directement, Hamotzi Ochalin, celui qui sort des aliments, une boîte avec des aliments, ou Netanan ala Iskupa. Et il l'a posé sur la iskupa. Alors iskupa, c'est, j'ai pas de mot pour traduire, une petite estrade, on va dire comme ça. Il y a un rebord, on va appeler ça le rebord qui est à l'extérieur du reshuta de sa propriété. C'est-à-dire, je m'explique. J'ai la porte d'entrée de chez moi, et il y a sur le côté un petit rebord. Un petit rebord qui ne fait pas une hauteur de 10 tfachim. Il est inférieur à 10 tfachim. Il fait à partir de 3 tfachim jusqu'à 9 tfachim de hauteur. Et il a une largeur de 4 sur 4 tfachim, donc 40 cm sur 40 cm. Ce domaine-là n'est plus un domaine ni public ni privé. Il est entre les deux. Il est entre les deux, et puis dans ce cas-là, il va résoudre des problèmes. Qu'on ne transgresse plus d'interdit de la Torah de faire passer de lui ou du Reshut Arabim sur cet endroit, ou de cet endroit sur le Reshut Hayachid. Il n'y a plus d'interdit de Minatora, il y a peut-être des interdits de Rabbanan, ça dépend des configurations, ça dépend de sa largeur. Et alors du coup, la Mishnah me dit, tu sais, si je vais faire sortir quelque chose du domaine privé au domaine public, mais je ne le fais pas passer directement de l'un à l'autre. D'abord, je le sors, je le pose sur cette iskupa, sur ce petit rebord. Donc maintenant, il s'avère que je n'ai pas transgressé l'interdit de Shabbat. Et après, une fois que je l'ai posé, je le reprends du rebord et je le pose par terre, dans le Reshut Arabim. Eh bien, la Mishnah me dit, donc, Amotzi Ochalin Onetanan Aleskupa, celui qui va sortir de la nourriture, pourquoi de la nourriture, j'ai pas de réponse, c'est un exemple, Onetanan Aleskupa, il les a posés sur l'Eskupa, sur le petit rebord, donc, largeur de 4, et, largeur de 4, et de hauteur de 3 jusqu'à 9 tefar. Eh bien, Ben Shechazar Veotsiyan, Ben Shotsiyan Acher Patour, que ce soit lui, qui est ensuite parti continuer ensuite à le reprendre et à le reposer sur la voie publique,
ou quelqu'un d'autre qui a parti le poteau déposé sur la voie publique, dans tous les cas, Patour il sera dispensé de l'interdit d'apporter un korban khatat, il n'aura pas transgressé l'interdit de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait son travail d'entrée, d'un coup. D'accord? En fait, pour transgresser l'interdit de porter à Shabbat, concrètement, je dois faire passer du domaine privé au domaine public. Si j'ai fait cette action, j'ai transgressé l'interdit de porter à Shabbat. Mais si j'ai posé d'abord sur le rebord et puis après j'ai refait en deux fois, j'ai coupé mon action en deux, ben je n'ai pas transporté à Shabbat, selon la Torah. Et je continue. Kupa sheimelea perot ou netana alais kupa chesona. Un cas apparemment semblable, mais là, avec une petite nuance. On parle plus cette fois-ci d'une iskupa en... Comment on va le traduire? Je traduis. Kupa sheimelea perot. Une boîte qui est pleine de fruits. Ou netana alais kupa chesona. Et il l'a mis sur le petit rebord, cette fois-ci c'est un rebord qui est plus bas, pour expliquer la suite. Il a posé la main sur la iskupa achisona, sur le rebord, ou plutôt cette fois-ci, j'ai plus dit sur le palier. On ne cherche plus la hauteur, là, cette fois-ci. Et maintenant, la Mishnah me dit, afalpiche rov aperot mi bachutz, bien que la majorité, la majeure partie plutôt, la majorité, il faut dire, des fruits étaient à l'extérieur, Patour, il est dispensé, achiyotzi, et de quoi la coupa, jusqu'à qu'il fasse sortir toute la coupa. Et je m'explique. Là, c'est plus simple. Il y a le domaine privé, le domaine public. Entre les deux, il y a un rebord, par exemple, qui est considéré comme un makom tour, d'accord, comme un endroit où on est dispensé de lui. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il prend il prend une boîte où il y a des choses, des légumes, des fruits, dans le Reshut Hayachid. Il a fait sortir sur le Reshut Rabim, mais au lieu de la poser sur le Reshut Rabim, il la pose à moitié sur ce rebord, à moitié sur la voie publique. La Mishnah me dit, je donne le principe, après on va le préciser davantage, la Mishnah me dit, tu sais, il s'avère que les fruits ne sont pas encore arrivés sur le Reshut Rabim, ils sont arrivés que à moitié, tant que la majorité n'est pas passée dehors, tu es dispensé. Bien que la majorité des fruits est déjà arrivée dehors, tu es dispensé parce que pour le moment, tu n'as pas encore fini de sortir la boîte. Le fruit, il est encore resté un peu sur le makom tour, sur ce lieu intermédiaire. Et en fait, la Gemara explique, il y a plusieurs nidonymes, mais je rapporte la conclusion rapportée dans le Vente Noir, qu'on parle que de fruits qui sont très longs. C'est-à-dire, on va prendre un cas par exemple où la Gemara parle de pishtan, le Vente Noir y rapporte des grandes courgettes par exemple, imagine une boîte avec des grandes courgettes, tout en long. Et je prends la boîte dans le sens de la longueur, et je la pose donc à moitié sur le rebord, à moitié par terre. Il s'avère que maintenant, chaque courgette, elle n'est pas complètement arrivée sur le Reshut Rabim, dans le Reshut Rabim. Dans ce cas-là, je suis dispensé parce que je n'ai pas fait sortir, je n'ai pas fait passer les courgettes du Reshut Rabim, parce que pour le moment, elles sont encore restées un petit peu sur le makom tour. À la différence du cas où j'ai pris une boîte où il y avait dedans, on prend des graines de moutarde, imaginez du sésame, même principe. Prenez une grosse boîte, vous la mettez à moitié dans le Reshut Rabim, à moitié maintenant sur la iskupa, ou même un petit peu sur la iskupa, et un peu sur le sol. C'est-à-dire que tous les grains de sésame qui sont arrivés maintenant dans le lieu public, eux, ils sont plus rattachés à la iskupa, à ce petit rebord. Dans ce cas-là, on sera passible du korban khatat. Comme ça, le Baal HaTanoura, il rapporte. Il y a le Rambam qui explique différemment quand même, je le mentionne très rapidement, rapporté par Rabbi Akiva Eiger ici, qui nous dit que non, que même si on il tranche, en fait c'est l'Agma qui a un doute sur le sujet, et le Rambam il tranche comme l'autre éventualité, l'autre proposition, de dire que non, puisque même si tout, il y a des grains de sésame qui sont arrivés concrètement, qui sont géographiquement dans le Reshut Rabim, mais le fait qu'ils soient tous réunis dans un seul ustensile, l'ustensile les unifie, et fait qu'ils sont pas encore, ils n'ont pas encore été posés dans le Reshut Rabim. D'accord? C'est là ici la petite nuance entre le Baal HaTanoura et le Rambam, donc, quand le Kli, il est à moitié sur le petit rebord, tandis qu'il y a des fruits qui sont, des fruits ou des légumes, qui sont géographiquement arrivés dans le Reshut Rabim, mais seulement qu'ils sont rattachés au petit rebord par l'intermédiaire de l'ustensile, est-ce que ça change de statut ou non? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Shabbat Shalom.